Coucou les artistes, ou re-coucou pour celles qui ont vu la vidéo juste avant du hall de Keepers créatif. Donc moi cette fois-ci ça va être le hall de mille et une créations. Donc déjà j'ai enfin reçu ma plaque tonique studio de Tmall, la plaque noire, sachant que j'avais commandé la blanche mais l'avais plus. Donc ça fait un petit moment en février, donc j'avais passé ma précommande et c'est vrai qu'ils sont tombés en plein dans la période de confinement et de reconfinement. Enfin bref, ils avaient du mal à trouver toutes leurs commandes. Donc après discussion avec eux par téléphone, j'ai finalement, ils avaient beaucoup de plaques noires en stock pour leur salon qui sont malheureusement annulées à cause du Covid aussi. Donc ils m'ont proposé cette plaque noire, la grande, et puis une petite, enfin la blanche en petite. Donc, ils m'ont envoyé tout ça en deux packagings, puisque c'est assez compliqué de tout mettre dans le même. C'est des plaques en verre. Donc voilà. Donc, la plaque. Donc, la petite, je ne l'ai pas encore reçue. La grande, elle a coûté 24,90 €. 24,90 €. La petite, elle m'a coûté 12 €. Donc, je ne l'ai pas encore reçue. Donc, je vous la présenterai dans un autre haul. Là, je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Donc, la plaque. Ça aussi, ça faisait partie de mes précommandes. Donc, tous les tampons Gorgeous qui manquaient à ma fille. Il manque 3 ou 4 numéros, il me semble, qui m'enverront aussi dans la prochaine. Qui seront dans le prochain packaging. Donc, c'est de la collection. Je ne sais plus. Mais du gros classeur. Alors, je veux vous mettre sur pause 2 secondes, le temps d'aller chercher le classeur. Ça fera partie du cadeau de Noël de ma fille. À tout de suite. Donc voilà, c'est pour ranger dans ce gros classeur-là que j'ai acheté à Kerglaz déjà avant cet été. Donc voilà, il manquait à ma fille ses numéros. Hop. Et comme à Mille et Une Créations, il faisait une superbe offre. Le lot de 10 tampons, alors là il y en a 5, le lot de 10 tampons pour 19,80 €. Donc il y a celui-là, 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 celui-là. Celui-là, celui-là et celui-là. Je range de suite puisque j'entends que ça grille. Et comme c'est des cadeaux, c'est pareil, j'ai rangé ça pour éviter les soupçons. Donc voilà, j'ai bien fait de tout mettre à leur place. Donc ensuite, j'avais pris, parce que sur leur site en vente directe, donc là on est sur des commandes de vente directe qui m'ont mis dans ce paquet de précommande, d'embellissement en résine. Donc ils vendent habituellement à 1 € le paquet, sauf que là, sur leur site, ils le vendaient à 50 centimes le paquet. Je crois qu'il y avait aussi moins 50% sur toute la commande. Donc j'ai pris 3 paquets. Donc c'est des choses de cinéma. Hop. Le paquet de popcorn, le machin de film, puis une plaque Movie Night Admin One. Donc c'est le ticket d'entrée au Cinoche. Et puis là, la bannière qu'on trouve en haut des cinémas new-yorkais. Donc j'en ai pris 3 pour mettre sur les albums. Donc voilà, il y avait donc dans ce, il y avait aussi mes petites breloques soutien-gorge. Il y en a 9 en tout. Hop. Ça me revenait un paquet de, un petit lot de 3 à 15 centimes. J'aimais beaucoup ça. Donc même s'il y en a 9, je mettrai quelques-uns là dans mes petits lots d'échange. Avec les scrap copines, on échange de matos ou tout simplement le jour où j'organiserai un concours, j'aurai de quoi
De quoi garnir le colis. Voilà, merci. Donc il y a le petit corset aussi, le paquet de corsets. Il y en a 5 petits corsets, pareil, pour 15 centimes le paquet. Donc il est tout, tout mimi. D'ailleurs, je vais en mettre un tout de suite dans le colis d'une copine de Scrap qui m'a fait connaître le groupe Scrap avec moi. Ça me fait tout de suite penser à elle. Hop. Voilà. Donc dans ce colis, m'ont aussi mis ma petite commande de pareil, des ventes directes de rouages. Alors moi, je ne suis pas du tout steampunk, mais dernièrement, j'ai dû faire un défi scrap ou pas scrap, de faire des choses que je n'aime pas faire. Donc, j'ai dû faire une carte steampunk. Et à l'occasion, je me suis commandé ces petits rouages-là parce qu'ils normalement sur le site en vente directe, ils étaient à 50 centimes l'unité. Mais j'ai profité de l'offre du week-end qui était moins 70%, je crois, sur la commande du week-end. Ou moins 50, je sais plus. Du coup, il me revenait pas cher. Et j'ai pris les 6 qui restaient en stock. Je me dis, ça peut partir vite, surtout si j'en offre un aux copines de Scrap. Donc voilà, j'en ai pris 6 en bois. Et puis dans cette commande, donc j'avais pris aussi des attaches parisiennes sapin, qui est normalement à 1 euro le lot, d'une vingtaine, je pense qu'il y a une vingtaine à peu près. Bon, là, il doit y avoir une vingtaine, 3, 4, 5, 10, ouais, une vingtaine d'attaches parisiennes vertes, noires. Vert, doré ou rouge. Je fais vite puisque j'entends bébé qui grince là-haut. Donc pareil. Alors, les rouages à 50 centimes l'unité, j'en ai pris 6. Les attaches parisiennes, le paquet de 20 à 1 euro habituellement. Le paquet de résine cinéma à 50 centimes. Les paquets de breloques à l'unité, le paquet 15 centimes. En tout, ça devait me faire 5,50 € et j'ai payé 3,75 €. Donc voilà, j'étais pas mécontente de cette commande-là et de voir arriver tout ceci. Ensuite, donc dans le prochain haul, donc c'était tout pour la première partie du colis de 1001 créations. Donc je ferai la deuxième partie dans une autre vidéo. Et puisqu'il me reste encore pas mal de choses à recevoir. Et donc des choses de chez Tmall, des blocs de papier, et ma plaque blanche, bien sûr. Et d'autres petites choses que je vais certainement commander encore et encore. Donc voilà, donc dans le prochain haul, je vous fais mon arrivage de variations créatives. Et cette vidéo fait 8 minutes 30. Donc ouais, mais je vais dissocier, parce que sinon c'est le cafouillage. Donc voilà pour ce haul-ci. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour le troisième haul.